بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Mes frères et sœurs, je voudrais, à travers les quelques minutes qui vont suivre, attirer votre attention par rapport à une parole, une formule vraiment extraordinaire, une parole qui transforme les gens, qui transforme les situations, une formule qui fait passer de la tristesse à la joie, une parole qui fait passer du mal vers le bien, une véritable formule magique, une parole qui peut transformer notre vie. En plus de tout cela, de tous les bienfaits cachés derrière cette parole, il faut savoir que cette expression est extrêmement simple, accessible à tout le monde. C'est même une parole que chacun de nous connaissons, récitons, mais que malheureusement, nous ne comprenons pas la portée extraordinaire dont elle fait preuve. C'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiée comme étant « kanzum min kunuzil jannah », un trésor parmi les trésors du paradis. Un trésor qui est suspendu sous le trône d'Allah. Cette parole est la formule bien connue « La hawla wa la quwwata illa billah ». C'est pourquoi, mes frères, il nous incombe non seulement de réciter cette parole quotidiennement, même de nombreuses fois par jour, mais également de comprendre le message dont est porteur cette kalima, cette formule. La hawla wa la quwwata illa billah porte un message de tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement même de notre dîn. La hawla wa la quwwata illa billah délivre un message de dépendance. En récitant cette parole, nous montrons toute notre dépendance vis-à-vis de notre Créateur. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Que ce soit des situations de facilité ou de difficulté, difficultés familiales, difficultés professionnelles, des difficultés en ce qui concerne ma relation avec autrui, difficultés au niveau de notre santé. Rien ne se fait sans l'ordre et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand réciter cette formule, les ulama nous expliquent que nous pouvons réciter la hawla wa la quwwata illa billah à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de notre vie, dans n'importe quelle situation. Cependant, il y a des moments où, selon nos sources premières, il est recommandé de réciter cette expression. Au moment de l'adhan, par exemple, lorsque le muadhin se met à dire « Hayya ala salah, hayya ala al-falah », ceux qui entendent doivent répondre à cette formule du muadhin en disant « La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. » En d'autres termes, on est en train d'affirmer que le tawfiq, la chance, l'opportunité d'accomplir la salah qui est l'action cultuelle, la ibadah, la plus importante de notre dîn,
après la shahada, après l'attestation de foi, le tawfiq d'accomplir cette action ne provient que d'Allah. Il nous est recommandé de réciter cette formule, la hawla wa la quwwata illa billah, au moment des difficultés. Par rapport à cela, Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, ou encore Imam Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, nous cite une narration, une riwaya qui nous est rapportée par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, et qui nous dit que Auf ibn Malik, al-Ashja'i, radiyallahu ta'ala anhu, connut durant sa vie un moment de difficulté. Son fils, Salim, fut capturé par des ennemis. Nous pouvons imaginer ce qu'un père de famille, ce qu'une maman doit ressentir face à une telle situation. Dans quel état d'esprit ses parents ont dû vivre cette situation? Quelles furent leur détresse, leur inquiétude? Lorsque Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu anhu, entre chez lui et annonce cette nouvelle à son épouse, alors son épouse lui demande, « Va auprès du prophète d'Allah. Va auprès du prophète d'Allah, annonce-lui la nouvelle et demande-lui une solution. » Lorsque le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prend connaissance de la situation, il va recommander à Auf ibn Malik al-Ashja'i de faire preuve de patience, de taqwa. Il va dire, « Ittaqillah, crains Allah, wasbir, et fais preuve de patience, fais preuve de sabre, wa akthir, et récite abondamment la hawla wa la quwwata illa billah. » Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu anhu, retourne chez lui, annonce cette nouvelle à sa femme, à son épouse, que le prophète d'Allah nous a donné comme solution, la récitation en abondance de la hawla wa la quwwata illa billah. Et tous les deux sont satisfaits de cette solution que leur a donnée Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cœur, avec yaqin, avec certitude, en ce qui concerne la promesse d'Allah, ils vont tous les deux se mettre à réciter cette formule. La hawla wa la quwwata illa billah. Et qu'est-ce qui se passe? Cette nuit-là même, leur fils Salim arrive à se délivrer, retourne chez lui, et au petit matin, Auf ibn Malik al-Ashja'i ainsi que son épouse voient leur fils Salim, radiyallahu anhu, retourner chez eux, et avec en plus 5000 bêtes qu'il a pu obtenir. Cela, c'est un exemple du caractère magique de cette formule qu'est la hawla wa la quwwata illa billah. Mais ce qui est mieux, c'est que le lendemain, lorsque Auf ibn Malik al-Ashja'i, radiyallahu anhu, décide de se rendre auprès du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de lui annoncer la bonne nouvelle, c'est le prophète d'Allah qui parle en premier et qui lui dit, « Abshir, reçois la bonne nouvelle qu'Allah a révélé un verset du Coran. « Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja » Quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Mes frères et sœurs, profitons de ce mois de Ramadan afin d'augmenter nos adhkars, notre rappel et notre souvenir d'Allah, et profitons de ces moments bénis pour réciter cette formule magique qu'est la hawla wa la quwwata illa billah. Cela nous permettra d'obtenir d'innombrables récompenses de la part d'Allah, mais également de voir les bénédictions et les barakat de cette formule se manifester au quotidien dans notre existence.
qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager cela à travers nous. Wa ma tawfiqi illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.